Assad dévoile les objectifs prioritaires de Damas, la reconstruction de la Syrie, le combat contre les terroristes et la libération totale du pays sont les objectifs principaux que se fixe actuellement Damas, a déclaré lundi Bachar el-Assad lors d'une rencontre avec des diplomates syriens. Le 9 juillet, lors d'une rencontre avec des diplomates syriens au ministère des Affaires étrangères, Bachar el-Assad a énuméré les défis que Damas doit relever en priorité. La reconstruction est la tâche prioritaire en Syrie. Elle ne sera possible que grâce à la poursuite de la lutte antiterroriste et à la libération de tout le territoire, peu importe qui les occupe, a déclaré le président syrien cité par son service de presse. Il a aussi souligné l'importance de mesures non militaires pour stabiliser la situation dans le pays. L'étape suivante sera d'amender les lois, de lutter contre la corruption, de développer le dialogue inter-syrien, de favoriser le retour des réfugiés qui ont quitté la Syrie pour fuir le terrorisme et de stabiliser le processus politique entravé par plusieurs pays, tout d'abord, par les États-Unis, a ajouté Bachar el-Assad. Les diplomates présents, quant à eux, indiquaient que ces rencontres publiques avec le chef de l'État syrien étaient pour eux un soutien lors de leur travail à l'étranger. De plus, les victoires militaires de Damas contribuent au succès de la diplomatie syrienne.